va prendre cette mise en jeu. C'est gagné par Leski Bourash, qui a le contrôle de la rondelle à Régis à la ligne bleue. Régis à Bourash au cercle droit. Et on tente une passe interceptée cependant par Robida. On s'emmène jusqu'en territoire des Huskies. Robida, il va d'un tir là! La passe, c'est le but compté par Doucet. Ouais, but en désavantage numérique. Là. Samuel Régis s'est compromis un petit peu trop tôt. Ça, là-dessus, il n'avait pas le choix de tenter quelque chose, mais Robida est habitué de... Belzile, le premier sur cette rondelle, tente de remettre plus loin, intercepté par Mirza Balayev, puis repris par Robida. Robida, il va d'une passe au cercle. Et là, le tir! Un boulet de canon de la part de Doucet qui l'avait ouais, dans du côté des Foreurs de Val-d'Or. Pour Doucet, ça sera son 16e filet cette saison, un deuxième dans ce match. Et d'après moi, Robida est complice de ce but-là. Il renvoie jusqu'à Doucet. Doucet à la ligne bleue pour McCallum à Robida. Robida qui a gagnon sur le dos. On réussit à remettre à McCallum à la ligne bleue. Pour Michel, le tir. Et là, Doucet qui réussit à enfiler l'aiguille devant le filet. Oui, et ça, il complète son tour du chapeau. Alexandre Doucet, on l'avait dit, de la saison pour l'attaquant des Foreurs. Donc, je pense que c'est Justin Robida.